Salut tout le monde, ici Yakipon, de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Et nous allons commencer aujourd'hui par Annie, enfant des ténèbres. Annie est un très bon support, mais aussi un très bon mid. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle a aucune escape. Donc certes, elle peut stun, elle peut faire de gros dégâts, mais il va falloir faire attention et poser quelques wards pour rester tranquillou. Azir, empereur des sables. Azir se joue en tant que mage mid. Ce qui est bien avec Azir, c'est que, en fait, il met un peu de temps à se développer, mais dès que vous savez le gérer, tout va bien. C'est généralement, moi j'ai du mal, c'est soit j'auto-attaque, soit je bouge, et j'arrive pas à coordonner les deux. Et les bons joueurs d'Azir savent faire les deux, parce qu'ils le jouent souvent. Bref, Azir en fait c'est très très fort, parce que ben, ça fait de très gros dégâts mono-cible, voire aussi multi-cible, quand les sbires arrivent à toucher plusieurs personnes. Dr. Mundo, démon de zone. Dr. Mundo se joue en tant que jungler ou en tant que top. En ce moment il n'est pas très joué parce que ben, il n'est pas très viable. Juste du fait que, ben, y a mieux, quoi. Dr. Mundo, en fait, n'a pas de contrôle, mais c'est un sacré tank. Mais bon, comme je dis, il n'a pas de contrôle et il y a de meilleurs junglers que lui en ce moment. Ezreal, explorateur prodigue. Ezreal se joue en tant qu'AD carry bot. Il est vraiment balèze parce que, ben, il a tout, quoi. Il a de l'escape, il a des gros dégâts et surtout, il peut assassiner une cible grâce à son ulti. Il y a une petite variante qui se fait en ce moment, c'est Ezreal mid, parce que ben, ça fait de très gros dégâts aussi en AP, et que ben voilà, il y a tout quoi. Il y a l'escape, il y a pas le contrôle, mais enfin, c'est plus facile de jouer Ezreal seul qu'avec un support. Enfin, moi c'est ce que je vois. Gangplank, fléau des mers. Gangplank se joue en tant que top ou en tant que jungler. Plus en top que jungler, mais bon. Le but de Gangplank, c'est de farmer, de se faire au taquet d'argent assez vite, de monter du critique et de faire boom headshot dans la tête des gens. Voilà. Sinon, ce qui est bien avec Gangplank, c'est que son ulti peut se faire sur toute la carte, pardon, et est vraiment balèze. Il ralentit, il fait très mal par salve, et peut finir un kill facilement, ou juste faire une petite assise sympa. Niar, chez non manquant. Niar se joue en tant que top, et c'est très très fort. C'est-à-dire que dès que vous vous transformez en méga Niar, ben, c'est la fête au village, quoi. Vous débloquez l'ulti, vous foutez les gens dans un mur, ça les stun, et vous les défoncez en leur sautant dessus, puis en faisant les stun, enfin voilà, quoi. C'est vraiment très très fort, Niar. Même en petit, c'est en fait, quand vous êtes petit, le mieux c'est de savoir que vous pouvez vous échapper facilement, déjà ça. Et la deuxième chose, c'est de spam au boomerang, quoi. Et sinon, le but est de quand même un petit peu farmer avec Niar, voire de taunt l'ennemi en lui faisant 2-3 auto-attaques dans la tête. Rek'Sai, traqueuse du néant. Rek'Sai se joue en tant que jungler, mais bizarrement, on ne la voit plus. Pourquoi? Elle manque peut-être un peu de contrôle? Les dégâts, elle les a. Elle manque peut-être un peu de tanking? Eh oui, je pense que c'est ça. Rek'Sai est très forte, mais malheureusement, il lui manque un peu de contrôle et un peu de tanking. Sivir, vierge martiale. Sivir se joue en tant qu'AD carry bot. Ce qui est bien avec Sivir, c'est que ça fait les dégâts dès le début du jeu, quoi. C'est vous montez votre boomerang et vous avez limite gagné. Bon, après, il faut savoir viser, mais ça passe. La deuxième chose pour Sivir qui lui donne un atout certain, c'est son bouclier qui lui permet de parer n'importe quelle compétence et qui lui rend du mana. Vel'Koz, œil du néant. Vel'Koz se joue en tant que mid et je n'aime pas trop Vel'Koz parce que il a pas d'escape, que je le trouve assez lent et je sais pas, je trouve qu'il faut faire trop de combos pour pouvoir faire trop de dégâts. Enfin, ok, vous avez les dégâts, mais je sais pas, moi j'ai un problème avec Vel'Koz. Après, à vous de voir, hein, de faire les flaques, de faire les failles, et surtout son ultra laser quand il faut. Mais voilà, moi, je sais pas. Zilean, gardien du temps. Depuis sa refonte, je trouve que Zilean a une meilleure place sur les champs de justice. Certes, son ulti est maintenant, on peut pas forcément le spam, mais c'est devenu vraiment très cool, quoi. C'est vous mettez des bombes qui explosent par zone, et vous pouvez même stun si vous êtes vraiment balèze. Je dis vraiment balèze parce que ben, il faut le gérer 2-3 fois quand même avant de pouvoir le faire comme il faut. Voilà, voilà, c'était une petite rotation sympatoche, hein, il faut le dire, c'est assez équilibré, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Sur ce, je vous dis rendez-vous sur le site Ivasan Studio pour rester au courant de tout ce qu'on fait. N'oubliez pas d'aimer les pages Facebook, de faire connaître Ivasan, et surtout, si vous aimez, aidez-nous à évoluer, donnez-nous des conseils, faites votre job. Non, c'est pas le vôtre en fait, mais c'est plus rigolo. Allez, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de rester courtois sur les champs de justice, et bisous bisous. Allez, ciao.